Salam alaikum, Azoul, bonsoir. Top 3, rétro-info de la semaine, comme d'habitude, 3 à 4 sujets qui ont été abordés dans la semaine. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau, sur ma droite, Badis Khnissa, marahbabik. Bonsoir, salam alaikum, Azoul, et merci pour l'invitation. Badis Khnissa, représentant de Talah Al-Hurriyat. Tout à fait. Sur ma gauche, Saïd Aknin, militant des droits de l'homme, marahbabik. Salam alaikum, Azoul, bonsoir, merci pour l'invitation. <coughs> Aussi sur ma gauche, Zohair Ruiz, membre du conseil politique de Djil Jadid. Marhababik. Merci, bonsoir à tous. Avant de commencer, on va aller regarder les titres ensemble et on revient. Liberté, où l'autre bilan, par Saïd Chikri. Observe Algérie, la capitale de l'Algérie classée parmi les pires villes du monde, par Jugurtha Nam. Liberté, la Banque d'Algérie à la reconquête de la confiance dans le système financier. Par Salami Youssef. Alors pour euh, paraphraser mon collègue et mentor, j'allais dire, Ben Chenouf, discussion à bâton rompu, comme chaque euh, rétro-info. Badis euh, ou Yahya, un an après, quel bilan Écoutez, ou un an après, quel bilan J'ai envie de vous dire sur la globalité, quel est le bilan tout simplement des mandats qui se sont succédés, euh, car finalement Yehia reste une, une donne parmi tant d'autres. Donc aujourd'hui, Yehia, hier c'était quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Euh, les gouvernements se sont succédés effectivement avec un effet placebo. Donc aujourd'hui, le bilan, je pense, est connu et reconnu par tout le monde et, euh, et surtout palpable sur le, sur le terrain, notamment à travers les la précarisation de la société algérienne à travers tous les défaillances, toutes les défaillances et les, les malfaçons qui ont été faites à ce jour. Donc, je pense que euh, sur quoi on devrait vraiment se s'attarder et s'interroger d'une manière beaucoup plus profonde et intrinsèque, c'est plutôt ce que je disais la dernière fois quelles sont les prérogatives aujourd'hui d'un premier ministre et quelles sont les prérogatives d'un gouvernement, tout simplement, dans un État absolutiste, euh, césariste et démagogue surtout, qui ne conçoit pas le partage du pouvoir. Et encore moins. Accepte justement de jouer son rôle. Pardon. Pourquoi ces gens? Ah, écoutez, il faut remonter à la genèse justement de ce, cette problématique. Aujourd'hui, euh, que ce soit le premier ministre ou le gouvernement, ce sont des ministres euh, gestionnaires quelque part, et encore c'est un grand mot. Mais surtout, c'est des ministres qui ont été, euh, qu'on se le dise, hein, c'est un secret pour personne, nommés dans une logique clinique et non pas dans une logique de, de compétence, de, de méritocratie ou de valeur ajoutée. Donc oui, ils sont là peut-être pour, euh, on va dire, remplir un organigramme gouvernemental. Le gouvernement, qu'on en parle d'ailleurs, vous avez déjà vu un gouvernement vraiment travailler main dans la main, avec une cohérence, avec une feuille de route aujourd'hui, à ce jour, avec tous les gouvernements qui sont succédés, et Dieu seul sait qu'il y en a plein Est-ce que vous avez vu un conseil ministériel vraiment digne de ce nom, avec, euh, euh, on va dire, des commissions interministérielles, avec euh, euh, des objectifs et des projets communs, Aujourd'hui, nous avons malheureusement le, le paradoxe, c'est qu'on a des, ministres, vous, on a des parti, ministres qui se que, détestent, des vous, ministres autant, qui ne se parlent même pas. Est-ce que vous, en tant que parti politique, est-ce que vous avez déjà condamné cela Bien évidemment, nous, nous continuons à le condamner, pas plus tard que ce matin, fin de matinée. Nous avons aussi émis, un, lors de notre, la tenue de notre bureau politique, un constat, malheureusement effectivement, qui se répète et qui englobe aussi la situation politique, économique, sociale et autres. Donc aujourd'hui, bien évidemment, nous sommes vous savez, dans la et issus du peuple. Donc la notre composante est, et ce sont des Algériens qui vivent au quotidien en Algérie, qui, qui comprennent la problématique, qui, qui sont issus de cette problématique, qui d'ailleurs, qui en souffrent en premier lieu, comme tous les Algériens, les millions d'Algériens. Donc oui, nous condamnons effectivement, et c'est pourquoi aujourd'hui, nous luttons tous, aujourd'hui je pense autour de sa table, chacun à sa manière, pour pouvoir peut-être transcender nos énergies vers une alternance, une alternance qui dit basta, assez. – Saïd Akedine Ouyahia, il était arrivé au pouvoir justement après Abdelmajid Tebboune. il était là avant Abdelmajid Tebboune. pourquoi il est parti, pourquoi il est revenu un ah an après, c'est toujours le même constat, l'Algérie va très mal. La corruption est là. Je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Et vous avez évoqué tout à l'heure le nom d'un frère, d'un ami, Jamel Benchinouf, que je salue par, de cette tribune. Et je salue aussi les téléspectateurs. Et je dis, je remercie ceux qui m'envoient des messages et qui m'apprennent beaucoup de choses. Un opposant politique, c'est celui qui apprend du peuple et non pas celui qui méprise le peuple. Ouyaya, Ou oui. C'est un produit du système qui travaille pour ses chefs et non pas pour le pays. Ouyaya, c'est un mensonge. Et en tant que parti politique, associé à de l'inceste politique pour donner la construction de l'échec. Cette construction... Ne vient pas d'aujourd'hui. C'est une construction euh, qui est là, justement, pour maintenir les intérêts du régime et de la base sociale du régime. Il est vrai, le constat aujourd'hui est amer. Quand j'étais au pays, j'ai sillonné euh, son village, wilayas, 40 communes. La réalité est plus amère que le constat. Quand on voit que l'Algérie est passée par euh, la bénédiction des mille milliards, parce qu'il n'y a aucun génie humain, si ce n'est l'extraction et la vente au gré des marchés, au prix des marchés. On se dit aujourd'hui, euh, s'il y a un chômeur, c'est un échec. Alors qu'aujourd'hui, 30% des jeunes dans le nord sont au chômage. Et 65% dans le sud sont au chômage. Aujourd'hui en Algérie... C'est 20 millions qui vivent Et Les sous richesses le seuil. de l'Algérie sont à 99% dans le sud. Exactement. Et aujourd'hui, 20 millions d'Algériens vivent sous le seuil de la pauvreté. Aujourd'hui, 7 millions d'universitaires sont au chômage. Aujourd'hui, l'école est sinistrée. L'université n'est même pas citée dans les classements internationaux. Aujourd'hui, les réputés sont malades et on nous construit la plus grande mosquée. Aujourd'hui, les dirigeants, comme Ouïhia, se soignent à l'étranger. Le bilan médical de l'aide du président, qui euh, par un coup de force en 1999 a été imposé au peuple algérien, suite au retrait historique de Sis. La construction de l'échec, justement, il y avait des hommes en 1963 qui ont démissionné de tous les organes de la Révolution. Un acte de grande classe politique et d'une lucidité. Si les décideurs de l'époque avaient écouté la parole de la sagesse et de l'anticipation, on ne serait pas arrivé là où on est aujourd'hui. Avant-hier, il y a eu une intoxication. On n'en sait pas d'où elle vient. oui. La semaine dernière, il y avait des inondations. Dans le il y avait des morts. Il y avait trois jours de ça aussi. Ouais. Il y avait trois jours de ça, ils ont repêché. La marine italienne a repêché trois corps d'Algérie. Bilan d'Uyhaya. Voici le bilan d'Uyhaya. Et en contrepartie... 2000 familles détiennent 80% de la richesse algérienne. En contrepartie, les oligarques imposent leurs lois associées à la mafia. En contrepartie. Donc il y a retrouve... des oligarques, qui y a une mafia à côté C'est. Le Hajj Moussa, Moussa le Hajj. D'accord. Moussa le Hajj, le Hajj Moussa. En contrepartie, on retrouve dans une maison il paraît qu'on aurait trouvé dans la maison de Kamel le Boucher. Le montant de 500 milliards de centimes et de 100 millions d'euros en espèces. Est-ce que vous pouvez imaginer c'est quoi C'est un État dans un État. Bilan d'ouïehaïa. Aujourd'hui, ne pas entendre la tristesse de ces familles qui sont en détresse. Aujourd'hui, ne pas entendre les cris de, de ces jeunes, de ces retraités, de, de tous ceux qui sont laissés pour compte dans le pays, et essayer de construire des ponts pour un changement du système, ni un changement du régime, ni un changement dans le régime, mais un changement du système. Nous y serons Zohair. comptables oui. devant les générations à venir. Zohar, euh, Ouyahia, donc le bilan un an après, euh, après la, sa fameuse déclaration, le moussel heglavem. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est plus là L'Algérie va bien, va mieux Certainement pas. Mais je pense qu'on ne peut pas parler du bilan d'Ouyahia sans parler du bilan de Bouteflika, parce que vous l'avez dit euh, tout à l'heure. Ouyahia est arrivé il y a une année, mais il était là avant et mmh. il est là depuis 1999. Par ailleurs, pourquoi on ne peut pas parler du bilan de Ouhia sans parler du bilan de Bouteflika Et du coup du que, régime en entier. Absolument, je vais y venir pour chacun. Euh, parce que Ouyahia, comme ceux qui l'ont précédé, euh, nous ont tous déclaré qu'ils étaient là pour appliquer le programme du, du président. président Abdelaziz Bouteflika. Et euh, Abdelaziz Bouteflika à lui-même, et on l'a tous entendu, même si c'était pénible euh, à entendre, on l'a tous entendu, souhaiter un quatrième mandat. Donc il était tout à fait conscient de sa volonté, de sa propre volonté, euh, de se remettre en selle pour un quatrième mandat. Donc c'est un bilan, finalement, de près de 20 ans d'exercice politique. Euh, c'est un échec consommé, ça a été dit, je ne vais pas reprendre ce qui a été évoqué. Euh, par Bédis et par Seride, à juste titre. Les ouais, chiffres restent. Est-ce qu'un autre aurait pu faire mieux En 19 ans, avec 1000 milliards de dollars, nettement mieux, beaucoup mieux. Je pense que le Portugal, avec moins de temps et avec moins d'argent, a réussi à une prouesse. Et je parle du Portugal parce que c'est un exemple qui, qui est là, concret et précis, mais il y a d'autres exemples dans le monde où, qui n'ont pas de pétrole qui n'ont pas de matières premières et qui n'avaient pas cette, cette manne financière. Donc nous, nous avons affaire à un régime qui a dilapidé 1 000 milliards de dollars, Obama, Obama, 1 000 milliards de dollars, et qui laisse une situation, les pires qu'ils soient, qui soient, je ne reviens pas sur la situation de ces jeunes, le chômage, les, les taux de de chômage qui ont été indiqués, les haragas, les corps, ouais. etc. Donc une jeunesse complètement désespérée. Si on devait retenir parler de Ouyahia, puisque c'est le titre de la séquence, ouais. euh, le bilan Ouyahia, c'est euh, une planche à billets des, avec un équivalent de 30 milliards de dollars. Comment on va payer ça Comment on va régler cette situation qui nous laisse 30 milliards de dollars, la planche à billets C'est un déficit de la balance des paiements pour 2018. Qui va être aux alentours de 18 à 20 milliards de dollars. Et la balance budgétaire aussi. Voilà. Et donc là, vous avez déjà euh, le, le bilan de Ouïa, si vous voulez circonscrire uniquement euh, euh, à Ouïa. Le bilan Ou c'est aussi, euh, c'est aussi euh, le management de cette façon de faire qu'il a de son propre gouvernement. Vous avez entendu euh, de manière ridicule un ministre nous expliquer qu'il n'y avait pas besoin de Nobel. Oui. Hein Hadja. Euh, c est, c est lui, est, il est à la tête d'un ministère. Peut-être le plus important en principe dans le pays, mais qui nous explique qu'on n'a pas besoin de gens intelligents parce que nous, nous sommes tellement pas intelligents, et nous sommes là à la tête du pays et on dirige on n'a pas besoin que d'autres viennent nous expliquer comment il faut diriger ce pays. Ça, c'est le bilan Uyahia. Le bilan c'est aussi, et on le voit de plus en plus, l'utilisation des moyens de l'État pour entamer une campagne électorale pour le cinquième mandat. Pour un candidat et qui ne s'est pas encore prononcé. Pour un candidat qui ne, peut pas se prononcer, mmh. qui ne peut pas se prononcer, mais ils utilisent déjà les moyens de l'État, et il n'y a pas si longtemps, euh, le secrétaire général du FLN était reçu au palais du gouvernement pour parler campagne électorale. Voilà le bilan de Ouyehia aussi. On va quand même l'écouter, ce monsieur Ouyehia. Euh, la vidéo, s'il vous plaît. كما نقلوا بالعامه وصل موسى العظم. والحمد لله كذلك مره اخرى بفضل حكمه سياده رئيس الجمهوريه اتخذت الحكومه قرار اللجوء الى استدانه الخزينه العموميه من عند البنك المركزي او ما يسمى في لغه خبراء المال بالتمويل. Badishnissa, aujourd'hui n'est pas en train de chanter tout seul. Il y a des partis qui entourent aujourd'hui le parti de la coalition, il y a des gens qui appellent Bouteflika justement à la continuité, et du coup, Ouyehia aussi à la continuité. Quelle continuité de c'est des Algériens, c'est des partis politiques. Quelqu'un d'autre aurait ça. Non, mais il, y a, y y a vous une savez, partie seule... qui veut que ce, que ce régime continue. Le seul vis-à-vis -vis que je peux considérer et valoriser, c'est le peuple, c'est la caution populaire. Or, ces partis Donc ces Donc... jeunes ne représentent personne Écoutez, ils représentent leurs intérêts, du moins. Ça, je pense que c'est évident pour tout le monde, et ce n'est pas un secret. Maintenant, si vous faites référence aux 15 ou 16 partis, oui. les micro-partis récemment que... qui sont succédés, bien évidemment, il y en a d'autres. Mais vous savez, le dénominateur commun de tous ces partis, c'est quoi c'est l'intérêt individualiste, clanique, qui, normalement, dans un État digne de ce nom et démocratique comme, comme prétend être l'Algérie aujourd'hui, doit être au-dessus de toute considération. On doit être dans un intérêt collectif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais moi, je, je reviens sur cette continuité. Quelle continuité, monsieur a de quoi Je résume tout à l'heure votre plaidoyer par rapport à la situation de, des Algériens aujourd'hui. Je la résume en une phrase. Malheureuse quand je l'ai dit, j'ai quasiment la larme à l'œil, M. Hussine. C'est que nous avons un pays riche, l'Algérie est un pays riche, habité par un peuple pauvre. Voilà le constat aujourd'hui. 10 000 milliards au bas mot, comme vous dites. Et encore, peut-être qu'on peut quasiment facilement les doubler. Mais vous pouvez mettre autant de personnes compétentes que vous voulez. Et c'est là où je diverge un peu avec vous tout à l'heure. C'est que si vous n'avez pas la bonne base, la base, les bons mécanismes, la vraie démocratie, l'émergence du peuple au centre du débat, la vraie valorisation du peuple à travers la souveraineté de sa voix, Et bien, 3 000 milliards avec les plus experts du monde, vous n'arriverez pas de bouger le pays d'un iota avec un mécanisme corrompu, avec un mécanisme fourvoyé, avec un mécanisme expiré, clanique. C'est là, elle est là la problématique. Donc quand vous parlez de continuité, très bien, moi je m'adresse au peuple. Est-ce qu'ils veulent cette continuité, honnêtement vous et moi autour de sa table, voulons-nous cette continuité de corruption, de défaillance Où le, le pays a été mené à sa perte Où nous, nous sommes la risée de, du monde entier Non, au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter il faut être raisonnable il faut être responsable. On sait très bien que ces partis, les partis d'alliance, appelez ça comme vous voulez, sont des partis qui, euh, qui ont leur propre calcul, leur propre feuille de route. Moi, et je pense qu'autour de sa table, nous, euh, nous obéissons à une feuille de route collective pour un, un avenir collectif. Pourquoi Ben ne sort pas et. et, et je ne sais pas, tenir une, une, une conférence et tenir ce genre de propos Mais Écoutez, encore une fois, Ali Ben c'est un parti. Ali mmh. Ben c'est une entité. D'accord Donc, au, à travers aujourd'hui, moi, sur ce plateau, je vous parle en son nom, par exemple. Ça aussi, c'est la démocratie, c'est l'exercice politique. Après, on peut trouver des convergences dans la perception de ce que c'est l'opposition dans un pays autoritariste comme le nôtre. Rappelons-le. L'exercice d'opposition n'est pas un cahier des charges, n'est pas un standard. Voyez-vous. Donc, dans un pays démocratique, chacun a sa perception. Rachid Nekez, Gilles Jadid ou d'autres personnalités dans l'opposition, on peut diverger sur certains points, mais on converge sur les, les fondamentaux. Vous savez pourquoi Parce qu'il faut avoir un corpus idéologique, c'est Hussain. Le corpus idéologique qui nous, qui, qui nous fait défaillance aujourd'hui. Ce corpus idéologique doit être quoi C'est-à-dire qu'on s'accorde sur les principes. Et on converge sur les finalités. Quelles finalités C'est-à-dire sortir de ce marasme, sortir de cette, ce, ce statu quo. Parce que ce qu'on oublie de dire depuis tout à l'heure, c'est que cette continuité, justement, elle permet une seule chose, une seule chose, je dis bien, c'est de pérenniser ce régime, c'est de maintenir ce statu quo, cet immobilisme brégenévien que j'ai envie d'appeler. De, 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 Saïd est-ce que l'Algérie d'aujourd'hui nous appartient à nous, le peuple L'Algérienne d'aujourd'hui est. Dans l'Algérie d'aujourd'hui, il y a deux collèges. Il y a celui d'en haut et celui d'en bas. Comment l'Algérie pourrait appartenir au peuple si maintenant cette voix du peuple est écoutée Si maintenant cette voix du peuple aussi, ses aspirations, sont, euh, euh, sont reproduites dans la loi fondamentale Et c'est ça qui fait défaut, justement. Le coup de force de 1963. Euh, la Constitution qui a été faite dans le cinéma majestique, c'est le premier coup de force contre le peuple algérien. Et puis vient plusieurs coups de force, en passant par 1980, 1988. Et là, euh, vous savez la lucidité politique. La lucidité politique, la lucidité politique pousse les belles âmes parfois à reconnaître un certain nombre de choses. Et là, je cite M. Bounouari. M. Bounouari avait dit quelque chose de très très important. Nous nous sommes trompés en nous mettant derrière les chars, croyant défendre la démocratie. Il avait dit encore une autre chose, une autre belle chose aussi. Ce qu'on reproche à Elie Hyabdounou, c'est le contrat de Rome. C'est de la lucidité politique. Quand on a participé à la gestion des affaires de l'État, il est vrai, c'est bien beau de faire tout de suite le constat, mais aussi assumer ses responsabilités. Demander pardon au peuple. Demander pardon au peuple, ça c'est très important. Ce n'est pas simplement de dire voici, on se réveille le matin et on se dit on appartient à une telle catégorie ou à une telle, une telle catégorie. Le peuple sait justement faire Vous êtes en train de, parler la différence. de et, Qui De Memphis, non Nous vivons une période où il y a un lâcher de lièvre. Ce lâcher de lièvre voit certains qui avaient couru. Demandez la baraka de la Marie, demandez la baraka de Toufik, maintenant demandez la baraka de Gaïd Saleh, pour justement arriver, c'est la pyramide des besoins de Monsieur. arriver à la magistrature suprême et driver les affaires du pays sans pour autant penser à l'intérêt de ce peuple. Parce que le premier aujourd'hui des intérêts de ce peuple, c'est quoi On a fait du tort à ce peuple. Aujourd'hui, si on parle du bilan du IHIA avec tous les échecs que nous avons tous énumérés tout à l'heure, c'est parce qu'il y avait la récompense de l'échec et la construction. J'insiste encore une fois sur la construction de l'échec. La construction de l'échec, elle a été faite sciemment, consciemment. Ils savent ce qu'ils font. Mais par contre, le IHIA, il travaille pour ses chefs. Il ne travaille pas pour le peuple. Et ses chefs sont à la fois locaux et aussi internationaux. Et il n'y a pas que lui, c'est une succession. Aujourd'hui, si on doit faire le bilan, c'est le bilan historique du régime. Poussons un peu loin. Un peu loin. Le premier acte fondateur de ce qu'est devenu aujourd'hui l'Algérie, c'était l'assassinat d'Aben Ramdan. Demain, c'est le 20 août. Mm. Quelle était la promesse de novembre et de la plateforme de la Souma c'est la construction d'une république algérienne démocratique et sociale. Est-ce qu'on y est arrivé Est-ce qu'on l'a vécu, ne serait-ce qu'un instant, un moment, depuis maintenant l'indépendance confisquée à aujourd'hui À aucun moment nous l'avons vécu. À aucun moment nous, les enfants du peuple, nous l'avons vécu. À aucun moment le peuple algérien l'a vécu. Donc tous ceux qui ont assumé des responsabilités, non seulement doivent demander pardon, mais aussi... Ne pas troubler le jeu politique, dans le sens où l'opposant politique aujourd'hui. Il y a l'opposant politique et l'opposant organique. L'opposant politique, c'est celui qui méprise pas le peuple, qui apprend du peuple. L'opposant politique, c'est celui qui met en priorité des échecs aujourd'hui la non-légitimité du système. Parce que quand on est illégitime, on travaille soit pour sa chapelle, soit pour ses intérêts personnels, ou on travaille pour son clan. Quand on est, est l'émanation du peuple, on travaille pour le peuple, parce qu'on est redevable. Maintenant, quand on mécanismes, tous les mécanismes qui sont mis en place, les mécanismes euh, institutionnels, les mécanismes constitutionnels, ce sont des mécanismes qui excluent de facto le peuple. Et je cite la dernière des constitutions. La dernière déconstitution de... Mais... On va revenir, Saïd. On va revenir. Euh, Arouis, on, on, entre ce qui dit Saïd, entre la construction de l'échec et ce qui a été promu, euh, construction d'un État, euh, d'une république, d'une démocratie, on en est où aujourd'hui avec justement les semblables de Yahya ?– je, je, crois que, je crois que le, le bilan de, de ce régime, globalement, est dans le détail, si on veut, euh, mais, mais tout le monde d'accord. Tout simplement. Ce bilan, nous l'avons évoqué, nous l'évoquons euh, depuis des années, à longueur d'onde, de journée. Euh, Aujourd'hui, il faut. Mais il faut accepter faut... les autres aussi. Il y a d'autres Algériens Absolument. qui disent que l'Algérie d'aujourd'hui, le régime d'aujourd'hui, c'est l'Algérie du, du, du peuple. En tout cas, je, et, je, et je vais répondre à oui. cette deuxième question. Oui. Euh, nous sommes d'accord sur le bilan. Nous sommes d'accord que ce régime est illégitime, nous sommes d'accord que ce régime a compromis les chances d'avenir de tous les Algériens et de toute l'Algérie et menace même, menace même la pérennité de l'Algérie en tant qu'État, en tant que pays. Ce régime menace la pérennité de l'Algérie comme d'autres pays qui ne sont pas très loin de chez nous n'existent pratiquement, pratiquement plus, et ce régime menace gravement la pérennité de notre pays. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi Eh bien, il faut travailler. Il faut travailler sur une alternative. Il faut poser les bases de l'alternative. Et c'est sur quoi nous travaillons. Nous avons lancé récemment une initiative, Mouatana, oui. qui permette à tous ceux qui le souhaitent partis, individus, organisations, associations tous ceux qui le souhaitent de contribuer à une véritable alternative. Un changement de régime, comme ça a été dit tout à l'heure, et non pas un changement dans le régime. Un vrai changement de ce régime. Et donc, il faut plutôt renforcer ce type d'initiative qui travaille à cette alternative, parce que le bilan, on peut y passer des heures, des journées, et, et, et il faut le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas non. le faire. Il faut le faire parce que ça nous, ça nous permettra de nous prémunir d'éventuelles fautes à l'avenir, pour ne pas rééditer ce qui a été fait. Donc, il faut le faire. Mais il faut construire, il faut avancer. Sinon, nous allons disparaître, tout simplement. – C'est que les Algériens vont disparaître, historiquement, je parle parce que de que les Algériens n'ont pas compris ça, ou les partis politiques n'ont pas compris ça, ou c'est le régime qui joue entre eux, c'est quoi le problème ?– Bon, le régime, de toute façon… – Pourquoi le régime, que... eux, les partis du régime, justement, qui font la coalition aujourd'hui, eux, ils se réunissent ?– Il n'y a pas de parti du sont... régime, sont... d'abord ils se réunissent parce oui. qu'ils ont les moyens de l'État… Oui. Et vous avez vu dimanche dernier quand euh, les initiateurs de Moatana ont fait un petit rassemblement sur une, euh, une, l'espace public comment ils ont été traités et comment on leur a interdit euh, de, de se poser à Serhat et comment on les a emmenés dans un commissariat en revanche en revanche et pourtant euh, c'est ce des partiesgré -ce aujourd'hui doit forcer la, les barricades Pourtant c'est des partis agréés. Et euh, ce sont euh, des Algériens comme d'autres. En problème. revanche, d'autres partis que vous, vous les appelez euh, partis politiques, vous parlez des, des, des 15, euh, si vous voulez qu'on on, on, on parle d'eux, ils, ils existent où Ils sont où Combien sont-ils réellement Cela, en tous les moyens de l'État, il y a ces 15, il y a le RND, il y a le FLN, il y a le MSP, il y a le euh, Medj, je ne sais pas, il y a le TEDG, il y a... Oui, d'accord, allez, on peut monter à 60 partis si vous voulez, on peut monter jusqu'à 60. Combien sont-ils Je parle de qu'est-ce qu'ils représentent Qui sont-ils Quels sont les moyens dont ils disposent par rapport à la véritable opposition à ce régime Moi, je ne parle pas de ça, c'est de l'opposition du régime, ça, c'est de l'opposition organique, ça, ce sont des gens qui. C'est une, une, euh, une scène politique qui est posée par le régime avec la coalition ou l'alliance qui le soutient et sa propre opposition. Donc moi, je ne parle, je ne parle pas de ça, je parle de la vraie opposition. Maintenant, vous m'avez dit, est-ce qu'il est qu n'y a pas aussi des Algériens qui ont envie que ça continue Très bien, mais posons la question aux Algériens, faisons des élections libres, organisons un scrutin, mettons en place les mécanismes d'un vrai État de droit, mettons une commission électorale, laissons les partis surveiller, organiser, surveiller le scrutin. Et puis à ce moment-là, moment chacun euh, prendra en compte les résultats, mais les vrais résultats pas l'organisation du trafic, pas l'organisation du rapt des urnes. Ce n'est pas ça. Donc s'il y a des Algériens qui soutiennent, et il y en a probablement, mais je ouais. suis convaincu, et je le sais, parce que ça a été dit, euh, et, et tu as raison, Saïd, euh, l'opposition, c'est celle qui va sur le terrain, c'est celle qui rencontre les Algériens, qui les écoute, comme le font, comme l'ont fait euh, Mouatanem, comme on le fait à Gédid et comme le, le, le font d'autres. Donc on les écoute on est sur le terrain et on sait quel est le son de cloche et nous savons ce qui se passe et elle le sait parfaitement lui qui a subi toutes les manifestations de différentes corporations et on va citer que les, les, les derniers peut être les résidents. tout le monde sait que personne plus personne dans ce pays ne veut de la continuité de ce régime. tout le monde demande à ce régime de dégager Et bien il est temps il est temps d'organiser calmement pacifiquement le départ de ce régime. comment il faut organiser justement ce départ? – Alors avant, avant toute chose, s'il vous plaît, si vous oui. permettez, j'ouvre une parenthèse, passe à, à, à oui. très, très brièvement, j'ouvre une parenthèse juste pour vous dire que peut-être il faudra à un certain moment éviter, de involontairement peut-être, de jouer le jeu de ce régime justement, à travers des, une sémantique un peu tendancieuse qui consiste à, à se tromper d'ennemis et de cibles. Aujourd'hui je pense qu'il me semble-t-il qu'on est en train de parler d'un bilan d'un Premier ministre, un bilan d'un régime depuis 19-20 ans. Or, le, à l'Ébène je ne vois pas le, 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 la convergence par rapport au débat. D'une part, d'autre part, pourquoi ne pas pour éviter de jouer le jeu de ce régime Parce que à travers ces, ces questions tendancieuses, si vous voulez, euh, vous faites le, ce jeu, donc, du régime et donc de la pérennisation de ce régime à travers la décrédibilisation de l'opposition. Encore une fois, je me répète aujourd'hui on est à Lebunflis pour en citer que lui parce que vous l'évoquez à chaque fois à chaque émission à Lebunflis a quitté le pouvoir depuis pas c'est tout non non j'entends bien vous représentez… – non parce que vous avez quand même insisté tout à l'heure sur le raisonnement de saite que je respecte où vous avez incité peut-être en disant est-ce qu'il parle d'un tel ou un tel monsieur je voudrais comprendre j'entends bien mais c'est pour ça je je dis mon opinion évidemment parce qu'à deux reprises sur deux émissions effectivement ça devient une fâcheuse tendance Auquel je voudrais peut-être la clarifier, ou peut-être c'est un, un malentendu de ma part. Mais là où je veux en venir, c'est que nous sommes face à un homme qui a quitté le pouvoir depuis 15 ans. Qu'on se le dise, qui a 40 ans de parcours politique, je ne suis pas là pour, pour en parler parce qu'on est sur une autre thématique. Mais comme vous avez évoqué le sujet, je me dois, en tant que représentant du parti ce soir, d'en parler. Donc il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemi. Aujourd'hui, je pense que cette, ces chamailleries qu'on est en train de faire jouent le jeu de, de ce régime, tout bonnement et tout simplement. Et autre part, pour peut-être résumer la, 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 la sémantique, euh, nous ne pouvons pas réécrire le, le passé. Par contre, on peut écrire l'avenir. Et cet avenir, à nous de, de se poser la question est-ce qu'on doit être responsable, résolument intelligent pour construire cet avenir entre nous, ou alors faire ad vitam aeternam, chémari euh, entre nous C'est pour ça, justement, ma question a était par rapport à l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut alors, faire pour construire L'avenir, la, et là, j'aimerais m'adresser au peuple directement. Pour la justement. Écoutez, je, je vais vous dire une chose. Je ne vais pas vous faire de longs discours là-dessus. Euh, moi, je m'adresse au peuple. Ce que je disais tout à l'heure, la caution populaire. On a parlé effectivement d'élections, mais avant cela, il faut que le peuple comprenne, se réapproprie sa pleine citoyenneté. Et là, je m'adresse au peuple directement. Qu'est-ce qu'il veut le peuple Il veut effectivement écrire cet avenir, dessiner ses horizons pour ses enfants, pour les générations à venir, ou rester dans cette inertie Parce que il faut, faut le rappeler. Aujourd'hui, le premier parti d'opposition, n'est ni le mien, ni le vôtre, ni qui que ce soit. C'est la majorité silencieuse qui se compte par millions. Eh bien, cette majorité silencieuse, c'est la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire, c'est celle qui permettrait d'impulser justement ce changement. Parce qu'on peut débattre, regardez aujourd'hui, on, on tend des perches à travers le dialogue inclusif à ce régime, mais qui se terre dans son, dans son mutisme. Un mutisme suicidaire aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, c'est le peuple, la, 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 la solution, je dirais, finale. Demeure le peuple. Le peuple, faut il faut qu'il se réapproprie sa pleine citoyenneté. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se réattribue ses fonctions, son rôle dans la société. Qu'est-ce qu'il veut exactement Et j'irai trans, transférer cette opposition de majorité silencieuse, disons passive, vers une opposition revendicative, pacifique bien évidemment, parce qu'on est tous ici autour de sa table, quand même, garants de la paix et de la stabilité du pays. Donc, on doit faire les choses en intelligence. Merci, Badis. Euh, on passe au deuxième sujet, donc, qui est Algérie, euh, la bancarisation en Algérie. Est-ce que c'est un tabou en Algérie, euh, Robis Pourquoi les Algériens aujourd'hui n'ont pas confiance dans leurs banques Pourquoi sont encore dans le CCP les postes Les Algériens ne payent pas leurs factures en ligne et les Algériens ne font pas confiance à, à personne bon, C'est difficile de passer du premier sujet au second. <laughs> Mais bon, je vais, je vais essayer de, de le faire, même si... Euh, euh, la fin du premier sujet euh, doit être une, une, vraie, une, une, Transition. une émission entière oui, euh, vrai. Pour, pour discuter effectivement comment, Le peuple, oui, comment ça, on peut ça. faire pour qu'effectivement l'Algérien se réapproprie sa citoyenneté, comprenne ses devoirs et ses droits, et comment il peut aller, aller euh, au-devant de ce régime pacifiquement pour s'approprier ces droits, ces droits de citoyens. Et, euh, et, et c'est bien l'enjeu euh, de, de ce que nous faisons dans le cadre de Moatana. Pour que ça soit bien clair pour tout le monde, je voudrais le dire, euh, Moatana, ce n'est pas une initiative qui va s'arrêter à la prochaine présidentielle de 2019. Ça doit aller au-delà parce que Moatana, ça veut dire citoyenneté. Et donc, mmh. il y a quelque chose à construire. C'est ce que disait Bedis, et je, je souscris complètement. Maintenant, sur la bancarisation. La bancarisation, c'est un sujet que je connais bien, parce que professionnellement, je, je suis dans le milieu bancaire. Euh, on dit que les Algériens sont bancarisés à hauteur de, de moins de 10%, oui, on va dire à peu oui. près moins de, moins de 10%. Euh, D'abord, parce qu'on n'a pas construit une véritable, un, un véritable, euh, euh, véritable banque et un système, mmh. un système financier oui. qui permette aux Algériens d'utiliser convenablement les différents outils qui peuvent exister sur le, le compte, les moyens de paiement et, et ainsi de suite. On l'a pas fait, ça, ça fait partie du bilan, du bilan de, de, du régime aussi. On ne l'a pas fait euh, parce que ça répond à des conditions, des, con, des conditions euh, précises. Oui. Euh, la réglementation bancaire, c'est ce euh, de la transparence, c'est euh, de la traçabilité, euh, c'est euh, un certain nombre de conditions que doivent respecter les établissements bancaires. On ne l'a pas fait probablement euh, euh, pour des raisons euh, qui justement euh, font qu'on ne veut pas tracer quoi que ce soit, mmh. peut-être qu'on ne souhaite pas euh, que tout ça euh, apparaisse. Je, je ne sais pas pourquoi. Et donc aujourd'hui, on a, on parlait tout à l'heure de 1 000 milliards de dollars de, de dépenser, mais euh, on n'est pas en capacité de payer euh, ces factures sur euh, Internet. On n'est pas en capacité euh, d'utiliser sa carte bancaire euh, pour acheter euh, des produits sur Internet aussi. De trouver voilà. un distributeur de billets partout. D'aller sur n'importe quel distributeur mmh. pour retirer de l'argent, quelle que soit, quelle que soit le, euh, la, la banque chez, chez qui on, on, on a ses comptes. Donc euh, euh, c'est Badis qui disait Nous sommes un pays riche et, et un peuple pauvre. Voilà, nous, 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 nous sommes dans, dans des conditions euh, qui, euh, qui ne sont pas dignes d'un pays qui a autant de, de ressources. Et les Algériens, les Algériens je pense, euh, à juste titre, n'ont pas confiance dans ce, dans ce dispositif bancaire. Euh, et et c'est la raison pour laquelle ils gardent, ils gardent leur argent auprès d'eux, oui. au plus près d'eux. Et donc, vous avez là euh, toute une population. Qui n'a pas confiance dans ce régime quand il organise des élections, qui n'a pas confiance dans ce régime pour euh, les, leur propre épargne, qui, qui, qui n'a confiance en rien de, de ce qui est apparenté euh, comme étant l'émanation de ce régime. Et on n'a pas, euh, on n'a pas non plus euh, euh, eu la volonté de créer de vraies banques. Aujourd'hui, les banques, vous savez, une, une banque en principe vit euh, des, des prêts immobiliers qu'elle octroie. Aux entreprises et aux particuliers, et des commissions qu'elle peut générer sur les moyens de paiement et sur les incidents de fonctionnement de compte. En Algérie aujourd'hui, toutes les banques ne fonctionnent pas sur ce type de bilan économique et financier elles fonctionnent sur la subvention. Ce sont des banques qui sont soutenues par l'État pour les opérations, notamment pour ces opérations qui défraient la chronique. Baptiste Khnissa, est-ce qu'il y a un problème de, aussi, de, de recherche scientifique, de technologie qui est posé là-dessus Est-ce qu'il y a un problème de conscience Pourquoi les Algériens ne vont pas justement à la bancarisation C'est un tout, c'est un tout. Je pense qu'aujourd'hui, résumer le, la problématique de la bancarisation des Algériens, euh, qu'au niveau du TIC par exemple, ou les technologies, ou oui. la digitalisation, je pense que c'est une erreur. C'est un ensemble, un ensemble que ce soit... Euh, qui s'explique par la, le manque de volonté politique, effectivement. Je pense euh, à juste titre euh, à cette opération de mise en conformité fiscale. Euh, il fut un temps qui a été euh, crié sur tous les toits par le ministre des Finances et qui finalement euh, s'est terminé euh, par un, un gros fiasco mmh. et qui plus est les autres, euh, par un, une absence totale de rapport officiel. Donc c'est là où le bas blesse, j'ai envie de vous dire. Donc il y, y a vraiment une, une dynamique politique. Qui, qui fait que, justement, aujourd'hui, on est dans ce statu quo, notamment en matière de moncarisation. Mais c'est un fléau, vous savez, qui, euh, qui, je pense, seul le gouvernement ne mesure pas les conséquences à l'état actuel des choses. Parce que, vous savez, dans un, un contexte défavorable comme aujourd'hui économique, dans lequel vous avez plus de 40 milliards d'euros équivalents euh, de, de, de cir circulation monétaire euh, hors, hors banque, ce qui est énorme, ce qui est effarant, c'est que ce gouvernement ne fait rien. Avez-vous, par exemple, des mesures d'urgence pour pouvoir pallier à cette problématique qui plus est, accentué par, on va dire, un contexte mondialisé, vous avez vu une guerre économique actuellement qui se déroule à nos portes entre la Turquie, une puissance qui est aussi cautionnée par d'autres pays occidentaux, notamment récemment la France à travers la déclaration de Macron, vous avez de l'autre côté les Américains, et nous, on, on, entre deux, on, on est dans l'expectatif. Donc c'est vrai qu'il y a des incidences beaucoup plus majeures que cela. Avec la dévaluation du dinar, qu'on en parle, la planche à billets, qui a créé une masse monétaire comme du jamais vu, donc elle a noyé la masse monétaire. Donc vous avez plein de facteurs qui font que accentuer cette crise, dans laquelle nous, en tout cas les responsables aujourd'hui à ce jour, n'ont rien fait pour endiguer. Maintenant, je reviens sur le, pardon, le système bancaire en lui-même. Vous savez, on a un système bancaire archaïque, qui est démodé, qui est expiré. Nous avons un système bancaire hermétique. – Quelle est la stratégie qu'il faut adapter justement aujourd'hui Pour actualiser dire, tout ça ?– Il faut déjà prendre le problème à bras-le-corps. Il faut traiter les problématiques de fond. Il faut mm -hmm. arrêter de traiter superficiellement comme cette opération dont je parlais tout à l'heure, qui était là que de la poudre aux yeux. Donc il faut vraiment traiter le problème de fond. Le problème de fond c'est quoi C'est comme je disais, harmoniser le système bancaire, faire une refonte globale de ce système. On a un système bancaire mal informé. Par exemple, dans notre programme, nous proposons car car carrément l'optimisation, l'actualisation de ce qu'on appelle les centrales d'information. Centrales d'information qui pourraient, dans une gestion de management des risques, pouvoir éviter, voire euh, réduire les risques de ce qu'on appelle les prêts toxiques, qui peuvent être préjudiciables à l'État. Euh, accompagner, par exemple, la compréhension de ce que c'est une banque. Vous, tu l'as évoqué tout à l'heure. La banque aujourd'hui, il faut que ce gouvernement, ce ministère comprenne que c'est une société à part entière. – Quelques Donc, experts appellent le gouvernement à créer une autre monnaie. – J'y viens, attendez, juste quand je vous dis qu'il faut qu'ils comprennent la compréhension de ce que c'est une banque, qu'elle soit mm -hmm. une, une société à part entière, c'est quoi Parce que, in fine, c'est quoi le, la finalité C'est capter la clientèle algérienne, capter l'épargne algérienne, cet, cet argent euh, terrorisé qui, 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 qui dort, je dirais, dans les, dans les bas de laine. Donc, pour cela, on a besoin d'être compétitif. Donc, une société qui a des objectifs commerciaux, qui a des bilans, qui a un bénéfice à faire, qui a une mise en concurrence, qui a une compétitivité, elle se doit de, de mettre des taux attractifs, elle se doit d'avoir une politique d'attractivité ouais. pour pouvoir capter cette population, au-delà de, bien évidemment de la confiance et de la crise de confiance qui tire ses, ses racines bien évidemment dans les scandales précédents. Est-ce que dans un régime aussi rentier que autre, euh, le nôtre, tout ce genre de problème n'est qu'accessoire du quotidien Hossein. Je pense qu'aujourd'hui, le concept qui sied à la situation où nous sommes, c'est plus parler de système que de régime. Les banques évoluent dans un système primaire de développement bancaire. Les banques aujourd'hui sont un outil du pouvoir au service du régime. La question qui se pose, d'où vient ce climat de défiance D'où vient cette crise de confiance Cette crise de confiance, elle est d'abord politique. Mm. Avant qu'elle soit, le mm. peuple n'est associé en rien. C'est le seul pays au monde pour avoir un prêt à la consommation. C'est-à-dire acheter une baguette, acheter une voiture, acheter je ne sais pas quoi, à la consommation. Il faut payer du bakchich. Malheureusement, sinon tu ne l'obtiens pas. En termes de système bancaire, l'Algérie est classée 137e sur 147 pays. En termes d'octroi de crédit, L'Algérie, elle, elle est classée 70e. On sait aujourd'hui, parce que si on ne peut pas appartenir au système, si on parle vrai, on ne peut qu'appartenir au peuple. Et on ne peut pas faire le jeu du système, si on parle vrai. Venir du peuple, c'est vivre son quotidien et parler vrai. C'est quoi la vérité dans cette situation Qui obtient les crédits qui obtient les lignes de crédit aujourd'hui C'est le régime et la base sociale du régime. Et l'opposition organique, elle est créée par le régime dans sa base sociale. Et à partir du moment qu'on n'a pas fait sa véritable remise en question, il est, de, il est du, du droit de l'enfant du peuple de penser. Et de ne pas faire aussi le jeu du système, de penser qu'effectivement, c'est juste un missionnaire du régime. La politique, c'est tous les jours. Ce n'est pas 20 ans d'hibernation, et puis on revient comme une fleur, et enfin, on, on appartient au peuple. La politique, c'est-à-dire l'opposant politique, et euh, je reviendrai au système bancaire. Restons... C'est de dire, oui. dire j'ai assumé des responsabilités et des hautes responsabilités de l'État. Et nous avons octroyé du crédit à telle personne. Et nous avons vendu tel immeuble. Et j'ai accordé la vente de cet immeuble. Et c'était une erreur. Aujourd'hui, Saïd, qu'est-ce qu'il Et faut que faire cet aujourd argent, aujourd'hui, il est placé au Canada. Par l'intermédiaire de mon enfant qui a créé une société de conseil. Non, le, 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 le voici ça c'est le système bancaire. Je pense que... Pourquoi peut... ça, ça c'est le système bancaire je pense que il faut oui. le système bancaire ce type et non, non, les lois. Je ne peux pas continuer. Je n'accuse personne. Non, 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 non. Et non, non. Les, les lois. Non, mais ça, d'aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd oui. Non, non. La loi faut faut de arrêter, la monnaie, est du crédit, C'est du blocage. La belle phrase ne fait pas la vérité. Non, 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 mais bon, enfin, vous savez, ça il faut qu'on pas pas, qu passe au troisième sujet. Non. Il faut qu'on passe au troisième sujet, sujet c'est euh, Algérie, des navigation des à vue. badès vu, revenons un peu aux politiques, justement, ça, à, à l'actualité. Oui, ça. oui, Saïd, s'il vous souci. plaît. s'il vous plaît. Algérie, navigation à vue. Aujourd'hui, Alger, elle était classée avant-hier, une ville invivable. Euh, les infrastructures c sont nulles. Euh, 20 ans après l'arrivée de Bouteflika, nous sommes toujours dans dans les mêmes conditions, c'est que le dinar est toujours battu par le dinar marocain, par le dinar tunisien, malgré les déclarations de Bouteflika, justement, de redresser tout ça. 20 ans après. Eh bien, écoutez, justement, il y a une corrélation avec ce qu'on disait depuis tout à l'heure. C'est cette continuité depuis quelques gouvernements qui fait qu'aujourd'hui, on est dans, cette, dans ce résultat où on a un, un, un pays en état végétatif, qu'on se le dise. Donc, on est en, en totale inertie. Euh, un statu quo qui, bien sûr, assure euh, des jours meilleurs pour ce régime. Mais vous savez, euh, j'irai encore plus loin, peut-être pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Aujourd'hui, on est face à une crise euh, sans précédent d'un système qui doit partir, qui doit quitter les lieux. Voilà. Un système qui doit laisser l'alternance, un système qui doit euh, faire son bilan, bien évidemment, que tout le monde sait, que, sauf lui qui ignore, bien évidemment. Donc, mais pour cela... Encore une fois, la pulsion populaire doit être accompagnée par une opposition. Ce que j'entends, vous savez, opposition organique, machin, mmh. bidule, enfin bref. Donc, moi je suis dans la construction, tout comme mon parti d'ailleurs. Moi je, je suis tourné, comme tous les jeunes, vers l'avenir. D'accord Moi le passé, je ne peux pas le refaire. En revanche, l'avenir, je peux l'écrire. Je peux l'écrire avec tout le monde, en inclusivité. C'est là, sur ça, je, ce quoi je m'attarde aujourd'hui. Et donc, nous pouvons faire du surplace. Nous pouvons refaire le, le passé. Mais nous ne pouvons jamais le changer. Vous savez, et, euh, vous savez, il faut donner une certaine compréhension de ce que c'est l'opposition. Parce qu'on parle, l'opposition, elle devait être elle doit être un contre-pouvoir dans un État démocratique un État de droit. Sauf aujourd'hui, il faut pas oublier le parallèle qu'on qu navigue, effectivement, qu'on obéit. Et je pense que récemment, avec euh, l'initiative de Mouatana en place des martyrs, on est la preuve tangible que ce que c'est l'exercice d'opposition. Maintenant. Si vous voulez qu'on soit dans un exercice de tableau comparatif, de benchmarking d'opposition, qui a fait quoi, qui fait quoi, qui est là-bas, qui est là -bas. Vous savez, nous, on subit quotidiennement, quasi quotidiennement, de la pression. Mais vous le savez, non Pourquoi Vous savez pourquoi Parce que nous considérons que la souffrance du peuple, dont évoque Saïd tout à l'heure, que nous savons et que nous comprenons l'émanation parce que notre parti en fait, en fait partie, c'est que la souffrance du peuple aujourd'hui, la grave souffrance du peuple aujourd'hui, est la priorité des choses. Donc nous ne pouvons pas nous plaindre. Nous ne pouvons pas. On a fait le choix de faire l'exercice de l'opposition. Donc nous ne pouvons pas nous plaindre. Nous, nous avons fait le choix de vouloir changer les choses. Donc nous devons nous écraser et continuer main dans la main. J'espère, j'ose espérer, Charles. et construire un avenir. Mais continuellement revenir sur ces aspects-là, je pense que c'est plutôt déconstructeur. Des, enfin, des et j'irai encore plus loin. C'est plutôt de l'opposition réflexe que de l'opposition constructive et réfléchie, et responsable. – Zohair, d'aujourd'hui, c'est-elle où elle va Navigation à vue Rien le, Aucune le, stratégie ?– Le régime doit, et les, les hommes, les, les femmes et les hommes de, de ce régime doivent probablement savoir euh, là où ils veulent en venir, là où ils veulent aller. Euh, néanmoins, tous les indicateurs sont au rouge et montrent, montrent euh, de toute évidence que nous allons au mur si on continue de la sorte, si… Euh, si on veut nous imposer, par exemple, un cinquième mandat avec un, un président euh, absent, qui n'est ne pas, euh, pas apte à exercer les prérogatives importantes qu'octroie qu la constitution actuelle, et donc, euh, et donc euh, une, un rapt de ces prérogatives là par euh, une oligarchie, par euh, des, 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 des personnes, euh, qui n'ont aucune légitimité pour pouvoir exercer ces prérogatives-là. Et donc, ceux-là euh, doivent probablement savoir où ils veulent en venir, c'est-à-dire continuer à profiter de ce pays, continuer à, à, à pomper jusqu'à la dernière goutte de, de pétrole euh, et, et les ressources de ce pays pour eux-mêmes, pour profiter pour eux-mêmes. Mais euh, on, sait, on voit bien que euh, la situation va se dégrader de plus en plus, que. Euh, cette idée de continuité ne peut que euh, construire, construire finalement euh, toutes les conditions de la déflagration euh, qui est annoncée si on continue dans cette direction-là. Et donc, euh, et, et je suis d'accord avec, euh, avec Bédis, euh, le bilan, on le sait, je l'ai dit tout à l'heure, on le partage, on le connaît, euh, on, on, on sait tous d'où ça vient, comment, pourquoi, quand est-ce que ça a démarré. Euh, mais il faut maintenant construire l'avenir. Il faut se préparer les générations à prendre en charge leur pays, à s'approprier leur pays. Et donc il faut le mais construire. Mais comment on En ignorant ce régime, en forçant les choses, comment il faut, On ne peut pas ignorer ce régime, parce que ça serait, ça serait une erreur. Justement. Euh, euh, il, faut, euh, il faut prendre conscience de la situation, et donc il faut un travail de pédagogie. Que, que fait l'opposition politique que font les partis politiques Que fait la société civile Que font les syndicats, les organisations Que font un certain nombre de personnes Donc il faut de Université. la pédagogie, d'universitaires, des universitaires, euh, faire de la pédagogie, expliquer quel, ce que doit être le citoyen, quel est le contenu de la citoyenneté, faire des choses comme nous, on a pu le faire, expliquer euh, quand on, on demandait l'application de l'article 102 il y, a, il, y a, il y a plusieurs mois, c'était aussi expliquer pourquoi. Mm. Il faut aussi comprendre euh, pourquoi est-ce qu'il faut le faire et comment on peut le faire et ainsi de suite. Et donc, il faut faire ce travail-là de conscientisation euh, de la société. Et puis, il faut que les gens s'engagent. Il faut que les gens s'engagent parce que les partis politiques, les, les, les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui engagés dans les partis, dans Moatana, dans d'autres, dans Gilles Jédy, dans les associations ne peuvent rien faire tout seuls. Mmh. Ils, ce ne sont pas des entités extraterritoriales. Ce sont des Algériens comme les autres. Ils, ils, ils ont à cœur leur pays comme tout le monde et ils s'engagent. Et il faut qu'ils soient renforcés et il faut aller crescendo. Il faut forcer, oui. Oui, il faut forcer, il faut y aller, il faut prendre les choses en main. Il faut y aller, il faut… Euh, avec Mouatana, on a fait un premier, un premier rassemblement symbolique dimanche dernier. Mais je l'ai déjà annoncé, nous l'avons déjà dit. D'autres rassemblements vont venir dans les wilayas, et cette fois-ci, ils seront annoncés puisque les Algériens qui nous ont contactés nous ont dit ben, :« Il faut nous prévenir la prochaine fois, et on sera là avec vous. » Eh bien, ces rassemblements seront annoncés, et il faut que les Algériens qui ont envie que ça bouge le montrent et soient présents. Et rejoignent les mouvements de contestation de ce régime Saïd. et de construction de l'avenir. Saïd Akinine, justement, le pouvoir, à chaque fois qu'il y a justement des voix qui s'élèvent dans ce sens, euh, le pouvoir brandit le même drapeau, donc les mêmes mots, stabilité. Est-ce que stabilité aujourd'hui veut dire immobilisme en Algérie Oui, mais euh, il faut comprendre. Euh, C'est quoi qui... stabilité pour eux C'est quoi C'est la stabilité clanique. C'est entre eux. Je vous dis que tous ceux qui sont nommés, désignés, euh, imposés, ne pensent qu'à leurs propres intérêts et l'intérêt de la base sociale du régime. Le peuple est exclu de leur pensée, sinon on n'en serait pas arrivé là. Euh, vous voyez là avec la dévaluation du dinar, mmh. avec, la planche billets, là, avec la planche à billets, on provoque ce qu'on appelle de l'inflation. L'inflation, et puis par la suite, on voit actuellement ce qui est du pouvoir d'achat. On voit de ce qui est de la pauvreté, on voit de ce qui est de l'augmentation des prix, on voit de ce qui est de la stagnation des salaires, on voit de ce qui est du recul, le recul des retraites. Voici ce que, ce que provoque actuellement, euh, bien que encore une fois. Le problème est, est politique. S'ils si n'étaient pas politiques, quand il y avait 1000 milliards, ils auraient bien géré. Maintenant que nous sommes en crise, Maintenant qu'il n'y a plus les 1000 milliards, maintenant qu'il n'y a plus les réserves de change, maintenant qu'ils euh, ont, ont tenté, ah, et ça pour faire un peu d'humour, euh, pour se lancer dans euh, la cocaïne, ils n'ont pas réussi. Et pourtant, on leur a donné un pourboire d'un kilo. 701, ce n'est pas 700. Ils n'ont pas réussi. Dans cette situation, effectivement, la citoyenneté est une construction. Elle ne se décrète pas, elle. Euh, euh, c'est une construction quotidienne. Ce qu'on est en train de faire, il est vrai que parfois on peut diverger. D'autres fois on peut converger. La première des choses, c'est de réapprendre à se parler. Parce que le système, la première chose qu'il a fait, il a cassé les ressorts de confiance dans la société. La deuxième des choses, apprendre à travailler ensemble. Et la troisième des choses, c'est euh, 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 celui qui ignore son passé. Et condamné à, à le revivre. Ça, ça, très très Merci Saïd Akhniat. Merci Badis Khnissa. De Merci. <laughs> Allez-y. Mais... Euh, euh, non, très rapidement, on risque de me répéter. Nous, nous devons établir une convergence des luttes, pardon, une convergence des luttes dans laquelle y a une conception vraiment réelle de ce que c'est s'engager pour le citoyen et agir pour la nation. Merci. Mais bien. vraiment, non, non, mais très important et, et, et d'autre part. On est ouais. pris par le temps, très bien. Ben, convergence des luttes. Voilà. Merci. Dans Zohair. le respect. Un dernier mot, c'est bon. Je pense que nous travaillons, nous, pour la stabilité de ce pays. Merci, oui Saïd. Le peuple travaille. Il y a ceux qui le voient, Il y a ceux qui le voient. Pas. Merci Saïd Akinin. Merci Badis Khanissa, Merci Zohar Ruiz. Merci à toutes et à tous. Khemadilena, Kawalachir, Salam alaikum.